Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo cuisine. Donc désolée, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas posté. Donc ça sera la recette de soupe aux épinards avec viande hachée et du riz. Donc les Turcs aiment bien faire cette recette, donc je vous laisse avec les explications. Dans une casserole assez profonde, je viens verser 3 voire 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Ensuite, je viens ajouter mes oignons que j'aurai coupés en petits dés. Donc là, je mélange le tout jusqu'à ce qu'il jaunisse. Voilà, donc vous mélangez à peu près 3 à 4 minutes. Là, je viens ajouter mes 350 g de viande hachée. Donc je mélange le tout jusqu'à ce que ça cuit quand même. Donc là, on vient ajouter les épices, donc du sel, du poivre et du piment. Donc le piment, vous n'êtes pas obligé. Donc là, je mélange bien correctement. Donc là, je viens ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate et une cuillère à soupe de concentré de piment rouge doux. Donc celui-ci, il n'est pas pimenté, mais vous en avez aussi pimenté. Donc là, je mélange bien correctement jusqu'à ce que la sauce soit bien intégrée à la viande hachée. Donc là, j'ai lavé mon riz et je le verse dans ma viande hachée. Donc là, nous allons ajouter les épinards. Donc comme vous voyez, on ne peut pas mélanger. Donc vous versez directement de l'eau bouillante. Donc moi, en tout et pour tout, j'ai versé 1,5 litre d'eau bouillante. Comme sur les images. Donc comme vous voyez, ils sont en train de fondre les épinards. Donc vous pouvez prendre des épinards congelés aussi. Moi, j'ai trouvé en sachet, j'étais super contente. Donc c'est excellent, même congelé, ne vous inquiétez pas. Donc là, je mélange le tout et je vais venir verser la deuxième partie des épinards. Voilà. Donc soit je vais bien appuyer, je vais appuyer sur les épinards avec ma cuillère, ou bien vous ajoutez le demi-litre qui vous manque d'eau bouillante. Voilà, donc j'écrase comme ceci. Voilà. Mais juste derrière, j'avais ajouté un petit peu d'eau chaude. Hein. Et on mélange le tout. Donc là, je vais laisser bouillir à peu près 10 à 15 minutes. Là, ça va faire à peu près 20 minutes que j'ai laissé bouillir ma soupe. Donc là, on va venir vérifier si le riz est bien gonflé. Voilà, comme ceci. Donc là, je vois que mon riz est bien gonflé, c'est-à-dire qu'il est cuit. Donc vous goûtez bien sûr avant d'éteindre le feu. Donc là, je vais laisser bouillir à peu près encore 5 minutes. Ensuite, je vais éteindre mon feu. Je vais laisser reposer à peu près 2 heures. Et ensuite, je vais servir ma petite soupe épinard, viande hachée et riz. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !